Alors voici des anciennes mâchoires de frein pour tambour 83 mm qui sont un peu usées, donc je vais les regarnir. Donc je vais commencer par enlever l'ancienne garniture. Je la mets dans un étau et puis on commence par chauffer. Bon, c'est pas facile à enlever, ça prend un petit morceau. Je vais essayer avec une varlope. Voilà. Je vais essayer d'enlever le maximum comme ça. Ensuite, je vais essayer d'enlever le reste à la lime. Bon, voilà ce que ça donne. Bon, on peut le faire aussi à la meuleuse, hein, ça ira plus vite. Bon, je vais faire la même chose sur la deuxième garniture. Et voilà, j'ai deux jeux de garniture qui sont décapés. Et maintenant, je vais leur donner un petit coup de sablage dessus. Voilà, les mâchoires de frein sont sablées, parfaitement décapées. Je vais pouvoir passer au collage des garnitures. Alors voici le genre de garniture qu'on peut trouver sur internet. Alors celle-là fait 20 mm de large pour 3 mm d'épaisseur. Et la colle qui est fournie avec, c'est une colle qu'il faudra cuire au four. Alors voilà, j'ai déjà découpé des petits morceaux. Voilà, j'ai découpé des bandes de garniture qui iront sur les mâchoires comme ça. Et avant... préparer la colle, ça ressemble à une sorte de miel. Et ben on va enduire la garniture et la mâchoire avec de la colle au pinceau. Voilà, les garnitures et les mâchoires sont recouvertes de colle. J'ai préparé une flasque qui va me permettre de maintenir les mâchoires serrées avec une clé à filtre à huile. Donc je vais mettre les garnitures sur les patins, je vais mettre tout ça en place et ça va être serré avec la clé. Voilà, donc la flasque est pratique parce qu'elle permet de maintenir les mâchoires le temps que je mette la clé à filtre à huile, afin de tout serrer. Ah oui, et puis j'ai retourné la bande de la clé pour que les picots soient à l'extérieur, afin que ça n'abîme pas les mâchoires et que ça puisse glisser le temps que ça serre. Sinon, ça va décaler complètement les mâchoires. Voilà, la clé est en place. J'ai juste dû rajouter des petites cales. Ça plaque bien les extrémités des garnitures et on va mettre tout ça au four pendant une petite heure. Voilà, au four préchauffé à 200 degrés pendant une petite heure. Bon, on laisse refroidir tout doucement. Voilà, la colle est cuite. Alors voilà un peu ce que ça donne. Alors maintenant, il va falloir meuler évidemment le surplus de garniture qui dépasse de la mâchoire. Et voilà le résultat final. Après-meulage. Alors j'ai fait deux jeux, il y en a un pour les 83 mm et un autre pour les tambours 80 mm. Alors quand vous rachetez des garnitures neuves sur internet, en général ils utilisent des mâchoires de 80 et ils mettent un peu plus épais de garniture pour compenser, pour les adapter aux 83. Ici on voit bien qu'il y en a une qui est plus grande que l'autre, malgré le fait que j'ai utilisé de la garniture de 3 mm sur les deux. Et voilà les nouvelles mâchoires de frein prêtes à être montées.